Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Actualité oblige, une bonne partie sera consacrée aux actions menées par le gouvernement contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Pour en parler, nous avons sur ce plateau un sociologue, Mbété Félix. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons revenir à vous, le temps pour nous de faire écho de quelques actions menées par les autorités du pays pour lutter contre le Covid-19. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzubé Paimidebe, a dirigé cet après-midi au palais présidentiel une réunion avec les responsables des organisations féminines. Les dernières informations relatives à l'évolution et à la gestion de la crise sanitaire a été portée à leur attention et leur implication sollicitée par le gouvernement. Dibrinou Alouali. La lutte contre le nouveau coronavirus au Tchad sera également menée par la femme. La réunion de ce lundi a donné l'occasion à la cellule de veille et de sécurité sanitaire d'entretenir les leaders des organisations féminines sur la batterie des mesures prises par le gouvernement pour circonscrire la pandémie. Le président de la cellule et ses collaborateurs ont trouvé en face des organisations féminines au parfum de la chose et déjà engagées dans des actions de sensibilisation. Car le danger est réel et la maladie n'attend pas, affirme Madame Banata Tchalisso, l'une des responsables de la plateforme. Depuis deux jours déjà, ces femmes sont en train de sillonner les quartiers et surtout les marchés et environnants avec des véhicules sonorisés pour passer les messages, les consignes barrières. Cette chose, l'engagement a primé sur le moyen financier. Donc avec le moyen de bord, on s'est dit la maladie n'attend pas. Donc les femmes, allons avec ce qu'on peut faire. Les actions de terrain déjà menées ont permis à la plateforme de réaliser que la population dans son ensemble, et la femme en particulier, ne mesure pas le danger que représente le Covid-19. C'est à son corps défendant que le gouvernement a été amené à prendre des mesures de privation des libertés, a expliqué le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzubé Paimidebe. Le respect s'impose. Cela requiert également la pleine implication de la femme au regard de la place qu'elle occupe dans la société tchadienne, renchérit la ministre en charge de la femme, Dr Arjoun Djalal Khalil. Ces informations clés, c'est vraiment permettre à la femme de comprendre le danger, c'est-à-dire la femme tchadienne dans son ensemble. Et d'après les résultats des sensibilisations et autres, la femme est encore inconsciente. Or, c'est elle le nœud du problème vers les théâtres, à travers les messages, leur dire de faire plus que ce que l'État a demandé. L'État a interdit l'attroupement de plus de 50 personnes. Il faudra se dire, si l'État interdit 50 personnes, nous, chez nous, on interdit à 10. Donc, on a le droit d'interdire quiconque d'entrer chez soi. Et on demande à toutes les femmes de vraiment maîtriser leurs enfants à la maison, de leur créer des jeux. Mais aussi, il y a un point très important que les sœurs ont soulevé, c'est le problème du marché et le problème des cérémonies. L'inflation des prix sur le marché, le sort des enfants muhajirines, l'implication des médias et les moyens de travail pour les équipes de sensibilisation ont été, entre autres points, relevés par les intervenants. Si d'aucuns recommandent le recours à des moyens coercitifs, d'autres ont suggéré de nouvelles pistes pouvant faire l'objet de mesures supplémentaires au rang desquelles le service minimum à assurer dans l'administration publique. Tout ceci fait dire au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, que des progrès sont à portée de main si la femme tchadienne est conscientisée et pleinement impliquée. Nous avons trouvé qu'aucune contribution n'est de trop. Il faut associer tous les Tchadiens parce que la pandémie n'épargne personne et ne choisit pas sa cible. Et donc c'est pour cette raison qu'on a estimé nécessaire aujourd'hui de rencontrer ces femmes-là parce que vous savez le rôle et la place de la femme dans notre société, le rôle pilier qu'elle joue au sein de la famille et la cible, le vecteur qui nous permet en tant que cellule d'approcher et de contacter les autres couches de la société. Donc nous avons estimé nécessaire parce que nous avons dit que la gardienne de la famille doit être contactée. Et donc le ministre d'État a demandé le soutien de toutes les femmes en passant par cette plateforme. Et ce qui nous a surpris, c'est que le travail a été mené
avant que la rencontre n'ait lieu. Des masques, gants et autres moyens de protection seront affectés à la plateforme des organisations fêtières, invitées par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Paimi Debeu, à continuer à aider le gouvernement à trouver la meilleure manière pour bouter la maladie. La place de la femme est cardinale dans la recherche de solutions, souligne le président de la cellule, qui conseille les membres des organisations féminines à prendre des risques calculés. Car, rappelle-t-il, il faut être sain pour agir. Face au non-respect par certains de nos compatriotes des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaïbo, a échangé avec les maires de la commune de N'Djamena et les leaders religieux sur la stratégie à adopter. Nous allons revenir sur cet élément dans un instant, mais pour le moment, je vous annonçais déjà à l'entente de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal Monsieur Mbété Félix. Il est sociologue, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre une action déjà qui est en train d'être menée par le gouvernement pour faire face justement à cette pandémie. Quelle est votre lecture? Eh bien, je crois que nous devons saluer et encourager ces efforts louables du gouvernement, surtout qui c'est des efforts prompts. Nous nous rendons compte qu'en Europe, surtout, hein, en Italie et autres, les gouvernements ont tardé à prendre des mesures. Et je crois que la promptitude du gouvernement tchadien est aussi, comment dirais-je, surprenant et positif. Un seul cas. Aussitôt de mesures ont été prises, de confinements ont été faits. C'est vrai, ça bouscule les habitudes des Tchadiens, ça crée une certaine, je dirais, désagrément populaire, on le voit. Mais, comme on dit, c'est pour sauver la population. Comme on dit, à quelque chose, il faut, au grand moyen, au grand mot des grands moyens. Du grand moyen. Voilà. Et je crois qu'à ce niveau, c'est d'encourager la population à comprendre le bien fondé de ce que ces mesures visent. Ce n'est pas par plaisir que le gouvernement le fait, et que c'est pour la première fois que de vivant, de notre vécu, nous vivons une telle situation. C'est un désordre planétaire qui s'annonce, vous voyez un peu. Et donc, ça fait une panique. Et là, je crois que le gouvernement tchadien a été à la hauteur de manière diligente, ces mesures ont été prises. C'est vraiment pour sauver la population d'un désastre concret. Et nous avons également remarqué la réaction également de manière prompte des femmes, comme nous venons de le suivre dans ce reportage. D'habitude, dans notre société, les femmes ne prennent pas toujours, ne sont pas toujours au devant de la scène. Il y a un changement qui est à noter également face à cette pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, habituellement, les femmes sont pour la vie. Lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines, la vie des enfants, la vie du couple, du foyer, elles sont toujours devant. Lorsque nous regardons aussi les questions de santé, ben les premières au combat quotidien, ce sont les femmes. Sauf que peut-être on ne les voit pas. Peut-être c'est les hommes qui prennent des décisions. Mais celles qui sont vraiment actives, ce sont les femmes. Et vous savez, il n'y a pas mieux à combattre pour la vie qu'une femme. Parce que c'est elle qui donne la vie en premier lieu. C'est elle qui donne les enfants. Et donc, toute femme, et nous les encourageons, nous les félicitons également de répondre positivement à, comment dirais-je, aux attentes du gouvernement, aux mesures, au fait elles accompagnent les mesures que le gouvernement est en train de prendre. Voilà. Panique généralisée, d'une part, avec des rumeurs qui circulent de tous bords, et d'un autre côté, nous remarquons également une certaine légèreté, certains de nos compatriotes qui sont même dans le déni. Comment expliquer cette situation? Oui, c'est une situation que je dirais ambivalente. D'un côté, de façon mondiale, c'est une panique. Panique due à l'angoisse de la mort. Une mort silencieuse qui approche, invisible. Vous savez, tout le monde panique. Mais on regarde d'un autre côté une certaine négligence heureuse ou insouciante de ceux qui pensent que c'est pas la maladie de l'Afrique. Il y en a qui disent même que le noir va résister. Je ne sais pas sur quelle base ils se basent. Il y en a qui pensent même que la chaleur
va entraver. Or là, nous voyons, le gouvernement vient d'annoncer à travers le ministre de la Santé publique deux nouveaux cas. Et donc, ça veut dire que ça va crescendo. Il faut, on espère que cette courbe soit maîtrisée avec les moyens qui sont pris et que nous ne soyons pas vraiment devant ce désastre concret. Nous allons revenir à vous dans un instant. Le temps pour nous de parler d'un acte de solidarité et de patriotisme. Un acte, c'est un don en équipement médicaux d'une valeur d'1 milliard de nos francs qui a été réceptionné ce matin par le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Rayal. Un don de la Fondation Grand Cœur. La première dame, Hinda Dibitno, à l'initiative qui est à la base de cette initiative a été représentée à cette cérémonie par la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba. Les précisions avec Mahmoud Oumar Moursal. Dans cette mobilisation contre la pandémie de coronavirus, la Fondation Grand Cœur apporte son soutien au gouvernement. La première dame Hinda Dibitno, à travers sa fondation, vient de remettre un don au ministère de la Santé publique. Il est essentiellement composé, entre autres, de 100 bacs à eau, 30 fauteuils roulants, 150 000 masques faciaux, des tentes et 50 fenecards capables de détecter plus de 30 maladies, dont le Covid-19. C'est un don d'un montant de plus d'un milliard de nos francs. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Son Excellence, Madame Hinda Dibitno, s'est résolument engagée aux côtés de la cellule mise en place par le gouvernement pour la lutte contre le coronavirus. L'engagement de la Fondation Grand Cœur s'est matérialisé d'abord par une campagne de sensibilisation et de communication, puis par la mise à disposition à la Croix-Rouge du Tchad de 655 volontaires pour la sensibilisation de proximité. Et aujourd'hui, nous vous remettons un don. Cet appui de la Fondation Grand Cœur est apprécié à sa juste valeur par le ministre de la Santé publique. Un jour, on a reçu tous les directeurs des hôpitaux et on leur a donné seulement que 2 000 et il nous restait 10 000. On attend maintenant notre première commande. On se retrouve avec 1 152 000. Pourquoi ne pas être content? Au moment où les masques d'oxygène que nous avons déjà lancé la commande, nous avons à peine une dizaine et là maintenant on trouve par milliers. Nous allons les donner à l'hôpital Farche qui en a besoin. Nous allons les donner aussi aux éléments de la sécurité qui nous accompagnent et que nous avons des problèmes de leur donner des masques. Et nous allons assurer nos hôpitaux que nous avons déjà des appareils qui peuvent maintenant suivre l'oxygène qu'on va donner aux malades. Les matériels et équipements seront répartis dans les différents hôpitaux du pays. Lutte contre le Covid-19, je vous invite à suivre à présent une déclaration, un message plutôt du ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Rayal. Message relatif à l'évolution de la situation sur le terrain. Ces jours, lundi 23 mars 2020, les autorités sanitaires du Tchad viennent de relever deux cas positifs suite à un test de coronavirus COVID-19. Il s'agit d'un monsieur de nationalité indienne en séjour au Tchad, logé à l'hôtel Lezza Plaza, et d'un autre de nationalité française ayant partagé la même villa que le premier cas enregistré de nationalité marocaine. Ces deux cas sont tous âgés de 38 ans. Les deux patients ont été aussitôt pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital de Farcha. Leur état clinique est stable et ne présente pas de danger. Les personnes qui étaient en contact avec ces derniers ont été identifiées et confinées pour un suivi médical. Dans ce même cadre,
et pour des raisons de sécurité sanitaire, l'hôtel Letza Plaza est mis en quarantaine en comptant de ces jours en vue de désinfection et de confinement de tous les clients et personnes qui s'y trouvent. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors de danger ces patients et circonscrire la pandémie. Il en appelle au respect strict de toutes les mesures prises et demande à la population de garder son calme et d'observer les mesures édictées dans le cadre de lutte contre cette pandémie. Face au non-respect des mesures prises par les gouvernements pour lutter contre le coronavirus, par le non-respect par certains de nos compatriotes tout au moins, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaïbo, a eu une rencontre avec les maires de la commune de N'Djamena, ainsi que les leaders religieux. Les précisions avec Katnouba Théophile. À l'instar d'autres pays de la planète qui ont enregistré le cas des maladies à coronavirus, le gouvernement tchadien s'est également conformé aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et a pris quelques dispositions liées aux réalités du pays. Malheureusement, quelques brebis galeuses refusent de se soumettre à ces mesures qui visent à empêcher la propagation du Covid-19. Pour nous, les religieux, on a pris les mesures de ne pas prier la prière du commun, la prière en commun et la prière de vendredi. Mais quelques-uns qui ne sont pas encore en mesure d'appliquer les mesures du gouvernement. On nous a chargé de sensibiliser les autres pour appliquer ces mesures. Du côté du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, on se réjouit du travail qui a été fait en amont. Dans cette phase-là, le moyen humain est le plus important. Nous avons aujourd'hui, au niveau de la ville de N'Djamena, 3 000 volontaires de la Croix-Rouge. Quand on va commencer la campagne de sensibilisation, que tous les ménages, de manière systématique, puissent recevoir donc des agents de sensibilisation. Le ministre de l'administration du territoire rassure ses interlocuteurs que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ces individus reviennent à la raison. On s'est rendu aussi compte quelque part, il y a quelques imams récalcitrants qui continuent encore à prier, à ne pas respecter ce qui a été dit. Et là, on vient d'instruire les délégués du gouvernement et l'ensemble des maires des arrondissements afin qu'ils puissent appliquer cette décision. Il n'y a pas des attroupements dans les mosquées, il n'y a pas aussi des prières jusqu'à nouvel ordre. Nous avons relié ces mêmes messages aux différents gouverneurs de province pour que les Tchad profonds puissent aussi prendre conscience. Et comme il s'agit de la santé humaine, personne ne doit déroger à la règle, ajoute le ministre de l'administration du territoire qui précise que l'État ne lésinera pas sur les moyens pour que ces mesures soient appliquées à la lettre, même dans les provinces. Lutte contre le coronavirus, toujours le Conseil économique, social et culturel compte se déployer sur l'ensemble du territoire national pour soutenir le gouvernement dans le cadre de la sensibilisation. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse par le président du Conseil. Un extrait de ses propos. C'est une action hautement patriotique et tout peuple doit observer et suivre les orientations données par son gouvernement. S'abstenir, observer, changement de comportement, ça fait l'objet de combats contre cette épidémie qui est en train de dissiper le monde. Nous saluons également les plusieurs rencontres qui sont déroulées autour de son excellent monsieur le chef de l'État
avec les congrégations religieuses, avec la société civile, et ils se sont quand même tous décidés d'appliquer certaines règles le plus élémentaires pouvant nous permettre d'éviter cette épidémie qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas eu de vaccin ni de soins appropriés. Et c'est un respect, parce que tant que ces mesures ne seront pas appliquées comme il le fallait, ce serait un défi et nous n'accepterions jamais, au grand jamais, et surtout le souci de son excellence, monsieur le chef de l'État, qui voulait, coûte que coûte, son peuple soit épargné, et voire même presque le pays voisin. Le Conseil économique ne doit pas seulement s'arrêter à travers cette déclaration. Nous sommes en train de vouloir réfléchir, pourquoi pas ne pas faire des descentes dans des provinces en vue d'appuyer les autorités provinciales pour que les règles d'hygiène, la sensibilisation doivent prendre ampleur et écouter de tout un Tchadien lambda là où il se trouve. Par rapport aux mesures prises par le gouvernement, mesures relatives au respect des règles d'hygiène, les leaders politiques se prononcent. Au cours d'un point de presse, le secrétaire général du MPS a lancé un appel à l'endroit de la population. Il exhorte la population à respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. C'est pour le bien de tous. Suivez un extrait de ses propos. Le monde entier aujourd'hui est en arrêt. Et la maladie est réelle. C'est pour cette raison que le gouvernement, sous l'égide du président de la République, a décidé de prendre des mesures. Et ces mesures sont des mesures sanitaires qui doivent guider chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous aussi doit respecter cela parce qu'il y va de la santé de tout le monde. C'est l'occasion, donc, de demander au peuple tchadien d'être solidaire avec ce qui se passe et d'observer strictement les mesures que le gouvernement a essayé de prendre pour nous permettre de sortir comme les autres, comme la Chine, comme les autres qui se débattent de ce fléau. Et il est réel. Donc, je lance un appel, d'abord en tant que tchadien, ensuite en tant que leader politique, que les Tchadiens de tous bords, sans discrimination, sans connotation politique, tout Tchadien, tout citoyen tchadien, toute personne qui vit sur le territoire du Tchad, nous devrons observer strictement les mesures que le gouvernement a essayé de prendre pour sauver le peuple tchadien. Il est de notre devoir aussi de dire que ce n'est pas pour rien que les écoles, les universités et tous les centres sont fermés et qu'il n'y a pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Ça va justement à l'encontre de ce que nous faisons, nous les partis politiques, mais il est nécessaire et il est même vital pour nous d'observer ces mesures-là et d'aider à sensibiliser. Les militants du MPS, où qu'ils se trouvent, doivent se lever et sensibiliser la population afin que les mesures prises par le gouvernement soient respectées dans l'intérêt de tous. Face au coronavirus, comme vous allez le suivre à l'instant, parti au pouvoir et opposition parlent le même langage. Le chef de file de l'opposition, Omadungar Félix Nialbé, appelle les Tchadiens à respecter les mesures prises par le gouvernement. Pour lui, la lutte contre cette pandémie ne peut être menée qu'avec l'implication de tout un chacun. Suivez. Le gouvernement a pris des mesures à l'endroit de tout le peuple tchadien. Et il est souhaitable que nous, leaders politiques, puissions demander, soit à nos militants, au peuple tchadien, de respecter la mesure prise par le gouvernement de la République du Tchad. C'est une maladie qui n'épargne personne. Elle n'est ni pour la majorité, ni pour l'opposition. C'est une maladie
qui ravage tout sur son passage. Et le conseil que nous devons donner, c'est le respect de toutes les règles édictées par le gouvernement de la République du Tchad. En tant que chef de l'opposition démocratique, je ne m'adresse pas seulement aux militants de l'URD, mais je m'adresse beaucoup à tous les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, je peux me permettre de surseoir à leur activité politique de genre meeting, en entendant que la température baisse. En attendant que la température baisse dans cette dynamique, mais cette fois-ci sur le terrain, les membres du bureau fédéral du Rassemblement pour la démocratie et le progrès de la ville de N'Djamena sensibilisent la population sur la prévention. Ils étaient ce matin au marché central pour faire passer leur message. Mohamed Souleymane. Les membres du bureau fédéral du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP de la ville de N'Djamena mène une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures d'hygiène au marché central. Objectif, la prise de conscience et d'éviter les risques d'éventuelles contaminations. Par ces gestes symboliques très simples, en offrant des kits de lavage de mains pour se prévenir de ces fléaux qui est le Covid-19 qui est connu de tout le monde et que je trouve un peu négligé par la population tchadienne, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance provinciale, doivent se mobiliser derrière le gouvernement pour vraiment passer ce message. Et c'est un acte citoyen de se prévenir de ces fléaux. L'action des membres du bureau fédéral du RDP de la ville de N'Djamena est saluée par le président des commerçants du marché central. Et je remercie le RDP en général. Ils ont pensé aujourd'hui le marché central, un lieu qui regroupe la population des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena. Les clients qui viennent, soit de dans tous les côtés, ils vont passer par ici pour laver la main avant d'entrer au marché. Et avant de sortir, ils vont laver la main avant d'aller à la maison. Cette opération menée par les membres du bureau fédéral du RDP de la ville de N'Djamena se poursuivra dans d'autres marchés de la capitale. Dans la commune du 2e arrondissement de la capitale, pour amener la population à respecter les règles d'hygiène, les responsables de la commune ont opté pour le porte-à-porte. Mamad Saïd Abakar. Lutte contre le coronavirus, la commune du 2e arrondissement en fait son cheval de bataille. À travers ces jeunes venus de 5 quartiers, la commune fait le porte-à-porte pour sensibiliser la population sur le respect strict des mesures prises par le gouvernement. Une œuvre appuyée par l'ONG, Organisation de secours et du développement des femmes au Tchad, OSDFT. L'apport de l'ONG OSDFT, nous, à travers les femmes du centre de couture, nous on a confectionné des cache-nez pour venir en appui pour aider notre commune. Pour mener à bien cette opération, la commune a misé sur les jeunes formés par la Fondation Grand Cœur dans le cadre du projet Mon Quartier, Mon Engagement. Nous nous sommes concertés, nous avons eu une formation au niveau de mon engagement, mon quartier, sous la coupe de la Fondation Grand Cœur, qui nous a formé une cinquantaine de jeunes, qui aujourd'hui vont descendre sur le terrain et vont faire une campagne qu'on appelle, nous, au niveau du deuxième, campagne de proximité, c'est-à-dire conscientiser les gens, aller vers la population des arrondissements, vous dire si l'État a pris ces mesures, nous devons les faire appliquer au niveau de notre commune. Ces jeunes volontaires font recours aux notions apprises lors de leur formation pour la réussite de cette campagne de sensibilisation. L'ONAMA a un mot de lutte contre la propagation du coronavirus. Pour accéder à la télévision ou à la radio nationale, se laver les mains avec de l'eau et du savon est un impératif. Une règle respectée par tous, comme nous le rapporte Ali Mohamed Bello. L'Office national des médias audiovisuels, sur sa monture bien ménagée, va en guerre contre le coronavirus, l'ennemi redoutable. De l'eau et du savon comme arme, déposées à l'entrée du bâtiment. Un passage obligatoire et systématique. Laver les mains, bien les laver. Les responsables de l'institution aux premières loges. Vite.
journalistes, techniciens, administrateurs ou les agents tout court, les visiteurs ou demandeurs de services observent aussi cette mesure. Et même si c'est 1000 fois par jour, les mains, il faut les laver. Ça vaut vraiment la peine. Nous pensons qu'il faut d'abord commencer par soi-même. C'est ainsi que nous avons mis en place ces dispositifs pour permettre aux agents et à tous nos usagers de se laver les mains, de respecter les règles d'hygiène. Il ne s'agit pas de se protéger contre la maladie, mais il s'agit aussi de protéger les autres. Donc tant qu'on ne respecte pas ces règles d'hygiène, on ne peut pas circonscrire cette maladie, donc on ne peut pas combattre cette maladie. Coronavirus est certes circonscrit, mais attention, pas de blagues avec ce mal qui fait trembler aujourd'hui le monde entier. Le remède le plus sûr, c'est d'observer les mesures d'hygiène et les mesures d'assainissement pour pouvoir réduire les risques de propagation de cette maladie. Tout visiteur qui entre à la radio ou à la télévision doit d'abord se soumettre à cet exercice pour laver les mains proprement avant d'accéder. Donc nous montrons à la population, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'ils doivent faire. Voilà, la radio et la télévision nationale, à l'exemple de bien d'autres services publics, l'ont bien compris et se sont mises en mode rigueur. Des enseignes sur les portes pour mieux sensibiliser. Dans les bureaux et salles, tout le monde est dans la sérénité. Pas de regroupement de plus de 50 personnes. La théorie des maîtres est bien respectée. Et s'il faut éternuer ou tousser, on s'écarte ou on les fait sur les coudes fléchis. Des nouvelles habitudes, les meilleures d'ailleurs, à adopter désormais jusqu'à la victoire finale. Le maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Kerima Salé, a effectué ce matin une visite au niveau des différents postes de contrôle installés sur les rives du Chari. C'est pour constater l'application des mesures prises par le gouvernement relatives à la fermeture des frontières. Omar Ibrahim. La vigilance face au coronavirus est de mise. Au poste frontalier d'Engeli, où s'est rendu ce lundi le maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Kerima Salé et son staff. L'ambiance est inhabituelle. Les ponts reliant le Tchad au Cameroun est resté fermé dans le but de contrecarrer l'introduction de la pandémie. Le maire de cette commune est plus que rassurant. Nous sommes les premiers responsables appelés à respecter cette décision. Surtout, moi je demande à ceux qui se retrouvent au niveau du fleuve, surtout les chefs de poste au niveau du fleuve, de respecter cette mesure. Puisque avant-hier, nous avons pris des gens la nuit, précisément à Kabe. On les a conduits au poste de police SP17 pour le test. Même si le pont est barricadé, le dispositif médical assure toujours la garde. Le cortège du personnel communal s'est ensuite ébranlé vers le poste installé au bord du fleuve Chari. Le commissaire titulaire des postes frontaliers, Sabour Mahamat, prend la commande destination Karouaï, village situé à Ingé des Pierres, du territoire camerounais. Les échanges ont porté sur les mesures drastiques prises par le gouvernement quant à la fermeture des frontières. Les différents responsables de cette localité ont salué les efforts du gouvernement face à cette maladie. De Karouaï, l'équipe communale s'est rendue au poste de la brigade nautique de Mbayam, de Ndou et d'Abnabak pour les mêmes motifs. Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaynodoum, a présidé hier à Mongo la réunion mensuelle sur la santé, une réunion focalisée sur la sensibilisation contre le Covid-19. Abdoulaye Hadi. La préparation du gouvernement du premier cas de coronavirus dans le pays, la réunion mensuelle de la santé s'est attelée sur cette question d'envergure mondiale. Après la projection d'un film illustrant la transmission de ces virus, Dr Ndoué Diunga, délégué provincial sanitaire, a, dans sa présentation, défini le coronavirus, le mode de transmission, la déclaration du comité d'urgence mondiale, les efforts fournis au niveau national et la conduite à tenir pour faire face à cette situation. Plusieurs questions et interventions des partenaires axées sur les mesures de prévention ont fait le tour de la salle. Paul Mbaynodoum Gartelbaï, gouverneur de la province du Guéra, a pris quelques mesures préventives préliminaires dans lesquelles on note la suspension des prières de vendredi et messe de dimanche et bien d'autres. Voilà donc ces mesures que nous avons prises pour l'instant. Interdiction de s'assembler plus de 50 personnes, interdiction des messes de dimanche, de la prière de vendredi. Tout approchement de plus de 50 personnes doit être formellement interdit. Un comité d'éveil provincial
et mis sur pied afin d'apporter des stratégies et douanes de prévention. Dans le Bata, le gouverneur Benando Tatula a eu une rencontre avec les responsables administratifs, religieux ainsi que ceux de la société civile. À l'ordre du jour, les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. Mamad Tahir Diblinaro. Par l'entremise des responsables administratifs, ceux de la société civile et des religieux, le gouverneur du Bata, Benaïdo Tatola, informe la population de sa circonscription administrative des dernières nouvelles sur la flambée des COVID-19. Le gouverneur a d'abord rappelé les mesures prises par le gouvernement en vue de lutter efficacement contre cette maladie, particulièrement l'interdiction d'attroupement de plus de 50 personnes et la fermeture des écoles, lieux publics et bien d'autres. Il va falloir changer de comportement et de mentalité en appliquant les règles élémentaires d'hygiène qui sauvent et éloignent cette pandémie de notre milieu. Présentant les directives de protection individuelle et communautaire, le délégué sanitaire du Bata, Dr Foxia Eli, a conseillé le lavage fréquemment des mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, d'éviter les contacts proches et de ne pas beaucoup se toucher les yeux, les nez et la bouche. En ce qui est des mesures de prévention, la délégation sanitaire du Bata, à entendre le délégué, a déjà mis sur pied une équipe de prévention et un plan de formation des agents sanitaires. Une salle d'isolement est également préparée et équipée pour des éventuels cas. Aussi, des dispositifs de lavage de mains sont mis à la disposition des formations sanitaires et autres lieux publics. Le gouverneur Benaïdo Tatola a salué les efforts de la délégation sanitaire et a demandé à la population à se protéger au maximum que possible. Il faut jeûner et prier tout en respectant les règles d'hygiène et les mesures prises par les plus hautes autorités du pays pour faire face à la pandémie. C'est en substance le message lancé par le vice-président de l'église évangélique au Tchad, pasteur Mbaïgoto Jaffé. Nous, responsables du bureau exécutif de l'église évangélique du Tchad, portons à la connaissance de tous les responsables et fidèles que, conformément à la situation sanitaire que traverse le monde en général et notre pays, le Tchad en particulier, dû à cette pandémie de coronavirus, conformément aux mesures prises par les autres autorités du pays, nous demandons à tous les fidèles de l'Église évangélique du Tchad de respecter formellement les dites mesures. Cela va de l'intérêt de tous. Demandons d'observer les règles d'hygiène arrêtées par les autorités sanitaires. Et nous exhortons tous les responsables d'Église et les fidèles à ne pas oublier les promesses de victoire de Dieu. Car la solution à cette pandémie se trouve en Dieu, notre Rédempteur qui dit, et je cite, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Fin de citation. Nous avons lu dans Somme 50, le verset 15. Pour ce faire, nous demandons et exhortons les fidèles à organiser des cultes à domicile et à méditer la parole de Dieu. Nous encourageons les fidèles à ne pas paniquer, ni s'agiter, mais plutôt à demeurer ferme dans la foi, en organisant des chaînes de prières et de jeûnes de manière continuelle, afin que l'Éternel éloigne de nous cette pandémie coronavirus. Pour nos téléspectateurs qui ont pris le train en cours, je rappelle que nous avons sur ce plateau comme invité du journal M. Mbété Félix, qui est un sociologue,
Vous venez de suivre les différents reportages qui montrent l'implication du gouvernement, des organisations féminines, de la société civile, les hommes politiques et même les religieux. Justement, dans une circonstance comme celle-ci, quel est le rôle de la religion? Évidemment, dans le contexte purement africain et même religieux, c'est que la maladie n'est pas détachée de notre foi, foi chrétienne, foi coranique. Vous savez, dans nos textes sacrés, dans les livres saints, la Bible et le Coran, il a déjà été prévu de faire attention à certaines choses que nous consommons qui pouvaient nous faire du mal. Les rats, les souris, les chauves-souris, vous savez, les petits animaux sauvages étaient déjà interdits dans la Bible, dans le Coran. Mais nous avons désobéi. Regardez la Chine. La Chine est devenue le plus grand consommateur des animaux sauvages. On vend les serpents, on vend les chauves-souris. La maladie est venue à travers la chauve-souris. Et donc, c'est que, à la lumière un peu de cette situation, le croyant doit se dire, mais quelque part nous avons failli. Et puis regardez, les mesures qu'on adopte, la propreté, l'hygiène. Les Anglais disent, cleanliness is next to godliness. C'est-à-dire que la propreté est proche de la sainteté. L'hygiène est une exigence de Dieu. Et là, il fallait que les médecins nous le rappellent, nous qui sommes croyants, qui devons déjà le savoir. Et puis, pour la plupart des croyants, Dieu est un Dieu de vie, un Dieu de santé qui donne la vie. Mais la maladie vient à travers le non-respect même des principes de Dieu, de la désobéissance. Vois un peu, tout ce que nous faisons de travers là, c'est purement... La médecine n'est rien d'autre que les principes de Dieu mis sur des trucs très biologiques que l'homme doit respecter. Et donc, ça nous amène, pour nous croyants, chrétiens, musulmans, à se nous dire, tiens, nous avons failli. Il n'y a pas que des chrétiens et des musulmans au Tchad, docteur Félix. Mais oui, mais même les non-croyants, ils savent que dans nos foi animistes, oui, c'est pareil. Vous savez, pour l'Africain traditionnaliste, lorsqu'il y a maladie, c'est qu'il y a rupture sur les trois principes que Dieu a mis ensemble. Ce qu'on appelle les morts, les vivants, les non-encornés. Former un ensemble. Dès qu'il y a maladie, c'est que l'homme a désobéi, a essayé de créer des ruptures, le désordre. C'est pareil, vous voyez un peu. Et donc, lorsqu'aujourd'hui, les gens qui se sont éloignés de Dieu savent que quelque part, ils ont brisé des lois. Et ces lois brisées amènent justement ces pandémies. Regardez, les médecins le savent, les experts le savent. Plus de 70% des maladies que nous avons viennent des animaux sauvages. La peste bovine, la peste noire, vous voyez un peu, Ebola, le sida est venu du singe, etc. Le virus actuel est venu de la chauve-souris, même si se transmet, semble-t-il, par un autre vecteur. Eh bien, on se rend compte que cette désobéissance nous a été fatale aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup continuent à dire oui, mais bon, c'est pas grave, c'est grave. Et donc, la foi doit nous amener à respecter les lois de Dieu. Et c'est ces lois de Dieu, ce que le gouvernement aujourd'hui nous demande. C'est ce que tous les acteurs aujourd'hui nous rappellent et qui sont déjà inscrits dans les textes sacrés. Vois un peu. Merci, parce que le temps à nous imparti vient à sa fin. Mais si vous avez un conseil à donner à la population. Ah oui, le conseil à donner, c'est que nous devons être courageux devant cette pandémie. Il ne faut pas paniquer. Parfois, la peur et les paniques sont plus contagieuses que la maladie elle-même. Tout le monde a peur. Maintenant, nous sommes à trois cas. Peut-être que ça va évoluer. Donc, nous devons prendre notre courage à deux mains. Nous devons être les ingénieurs un peu de la discipline. L'exemple des Chinois. Ben, ils ont respecté à la lettre les principes de leur gouvernement. C'est vrai, ça respecte, ça dérange, mais nous devons aussi regarder que dans ces moments difficiles, eh ben les autres, c'est la prière, c'est la méditation, c'est le sport, c'est la télé, c'est la lecture, vois un peu. Ça peut être des opportunités pour développer aussi des pensées sur des choses que nous avons négligées. Merci, Monsieur Félix. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci pour tous ces éclairages. Merci. Il faut rester zen et discipliné comme nos
frère chinois a en fait preuve. Un autre volet de l'actualité pour une transition en douceur, restons toujours dans le cadre de la santé, mais pour parler cette fois-ci de la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Elle sera commémorée cette année sous le thème « Il est temps d'agir, il est temps de mettre fin à la tuberculose ». À ce sujet, je vous invite à suivre la déclaration du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Yousoufrayal. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, commémore ce mardi 24 mars 2020 la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Sous le thème « Il est temps d'agir, il est temps de mettre fin à la tuberculose ». La date du 24 mars marque le jour en 1982 lorsque le docteur Robert Koch a découvert la bactérie qui cause la tuberculose, ce qui a ouvert la voie au diagnostic et au traitement de cette maladie. Cette journée du 24 mars est dédiée aux hommes et aux femmes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le monde et célèbre aussi tous ceux qui ont été guéris de cette maladie. Leur histoire, leur témoignage, leur espérance et leur conviction sont là pour nous pousser à une coalition stratégique et multisectorielle dans l'avènement d'un monde sans tuberculose à l'horizon 2030. En effet, la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars de chaque année vise à sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de la tuberculose et de redoubler d'efforts pour mettre fin à la tuberculose. Au niveau national, cette journée nous offre l'occasion de mettre en lumière la maladie et de mobiliser l'engagement politique et social en vue d'accélérer les efforts destinés à mettre fin à la tuberculose aussi bien à l'horizon 2030 et ce, conformément aux engagements pris dans le cadre des objectifs de développement durable ODD. Les travaux du Forum sur la violence basée sur le genre ont pris fin à Koumra dans le Mandoul. Cette rencontre qui a regroupé les représentants des différentes organisations de la société civile a permis aux participants de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement et des chefs traditionnels. Détengue Félix. Clôture des travaux du Forum provincial sur les violences basées sur le genre au Mandoul. Il s'agit de contribuer au partage d'expériences entre les acteurs et de proposer des stratégies complémentaires pour lutter contre les VGB. Ce forum de 3 jours a regroupé les autorités civiles et militaires, les chefs coutumiers, leaders religieux, les agences des Nations Unies et organisations de la société civile venues des départements de la Niapende, du Bac-Sahara, du Moulin et de la ville de Koumra. S'agissant de principales formes de violence, l'on note le viol, l'agression sexuelle, agression physique, le mariage d'enfants et les délits de ressources et violences psychologiques avec comme cause l'abus de pouvoir, méconnaissance ou non-respect des lois et textes sur les VGB. Les participants ont formulé des recommandations au gouvernement, aux autorités locales, traditionnelles, coutumières, leaders religieux, partenaires techniques et financiers, de vulgariser et faire appliquer les textes et les lois réprimant les violences basées sur le genre, former et affecter les médecins psychologues dans les hôpitaux et dénoncer systématiquement les auteurs de VGB. Pour préfet du département de Mandoul Oriental Mbang Orguidina Jindibay a dans son discours de clôture signifié que la tenue de ce forum a traduit effectivement la vision du président de la République Idriss Déby Itno qui fait de la problématique des violences basées sur le genre son cheval de bataille.
La lecture de quelques communiqués avant de clore cette édition. Suite aux mesures prises par le gouvernement pour la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus, il est constaté une spéculation et une inflation gratuite et inacceptable des prix des denrées alimentaires sur les marchés, violant ainsi les prix homologués. Le gouvernement tient à rappeler aux commerçants véreux que rien ne justifie ce comportement cupide et mercantiliste. Un dispositif de contrôle et de surveillance est mis en place à cet effet. Tout commerçant pris en flagrant délit sera arrêté et remis à la justice pour répondre de ses actes conformément aux lois et textes en vigueur. Signé le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzebe Payimi Debe. Un autre communiqué à l'attention des pensionnés de la Caisse nationale des retraités du Tchad dans le cadre de l'observation stricte des mesures édictées par le gouvernement pour juguler la propagation du coronavirus et dans le dessein de protéger les populations tchadiennes en général et les pensionnés de la CNRT en particulier. La direction de la Caisse nationale des retraités du Tchad, faisant suite à la note circulaire du 20 mars 2020, a le regret de porter à la connaissance des pensionnés que pendant cette période, les services au bénéfice des retraités et de leurs ayants droit sont modifiés comme suit. En cas de paiement, une liste restreinte sera communiquée à l'avance par la direction de la CNRT par tous les moyens permettant d'atteindre la collectivité des pensionnés avec l'appui des agents de santé et de sécurité chargés du respect strict des mesures d'espacement entre deux personnes et les désinfections arrêtées par le gouvernement. Les prestations en matière de suivi de dossiers et d'informations au bénéfice des pensionnés sont suspendu pendant cette période. La Caisse nationale de retraite du Tchad attache du prix au respect du présent communiqué. Fait à N'Djamena le 23 mars 2020, signé le directeur Mohamed Abdelkarim Hagar. Un autre communiqué, le comité de veille contre le Covid-19 de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des mesdames et messieurs les députés et au personnel parlementaire qui auraient séjourné en dehors du territoire national et qui seraient rentrés avant le 21 mars 2020, qui sont dispensés de leur présence à l'Assemblée nationale pour une durée de 15 jours à compter de la date de la publication du présent communiqué signé le président du comité de veille COVID-19 de l'Assemblée nationale, député Yombombe Majitoloum Théophile. Conformément au cahier de charge des médias audiovisuels et à la loi portant ratification de l'ordonnance 25 du 29 juin 2018 sur le régime de presse écrite et en ligne, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel invite les médias nationaux à réaménager leurs programmes et créer des émissions et rubriques consacrées à la sensibilisation et à l'éducation des populations afin d'induire des changements positifs de leur comportement sur la pandémie du coronavirus. La HAMA exige par ailleurs des médias audiovisuels des versions en langue nationale des 6 émissions pour les rendre accessibles à tous. La HAMA, tout en félicitant les médias pour les efforts qu'ils fournissent quotidiennement en informant les Tchadiens sur l'évolution de la pandémie, les encourage à ne pas baisser la garde dans ce combat pour la survie de tout un chacun. N'Djamena, le 23 mars 2020, le rapporteur Lauro Gondier. Un autre communiqué réuni en plénière ce jour 23 mars 2020 à N'Djamena au siège du regroupement, les partis politiques de l'opposition, membres du regroupement, les Républicains ont examiné la situation relative à la pandémie du coronavirus dont les conséquences sont visibles à l'échelle planétaire. Dans le souci d'épargner les Tchadiens et les Tchadiennes de cette terrible pandémie, le regroupement, les Républicains appellent au respect strict des mesures de prévention et de précautions prises par le gouvernement en vue de circonscrire cette maladie. Fait à N'Djamena le 23 mars 2020, le coordonnateur deuxième adjoint Ben Barkatayr Kumbal. Un dernier communiqué, c'est celui-là émane du parti Al-Wasat pour la justice et le développement. Le secrétaire national chargé de la santé du parti Al-Wasat pour la justice et le développement exhorte la population à respecter scrupuleusement les consignes et les instructions données par le gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus. Par conséquent, le parti Al-Wasat demande à ses militants relevant du corps soignant à se joindre au comité de surveillance de ce fléau. En outre, le parti interpelle le gouvernement à mettre à la disposition des professionnels de la santé les réactifs et les masques. N'Djamena, le 23 mars, le secrétaire national chargé de la santé du parti Al-Wasat, M. Tariom Ezekiel.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télécan. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a réuni autour de...